Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire une carte pour le forum Liberty Scrap. Donc, il faut faire une carte avec un embossage à froid sans encre ou embossage à froid avec encre ou encre à alcool ou, troisième chose, embossage à froid avec ponçage du relief. Donc, moi, je vais faire le 2, embossage à froid avec des encres. Donc, je vais utiliser du papier dessin. Je vais utiliser mon encre Vintage Photo, la Distress Ink bleu foncé, peut-être celle-là. Et si je fais des tamponnages, ça sera la Versafine. Pour l'embossage, je vais utiliser ce classeur qui m'avait été offert par Créalo pour mon anniversaire il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Donc ça va être l'alphabet et les chiffres. Et je vais utiliser certainement les flèches, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être d'autres dies, je ne sais pas encore. Moi, je ne fais pas beaucoup de cartes et ensuite la carte, je la transformerai en ATC. Donc, je vais faire une carte d'une dimension de... Alors, je ne sais pas. Ça sent un V4. De 12 cm 8 sur 17 cm 8. Alors, on a dit. Ça va le faire. Et 12,8. Donc, j'ai refait mes calculs. 12,8. Huit sur 17,8. Voilà. Voilà sur ça. Ensuite. Prendre le côté plus lisse, c'est celui-là. Je vais utiliser l'encre, donc la Vintage Photo. Ensuite, la bleue.
ensuite je vais revenir sur la vintage photo. Voilà. Donc maintenant, je vais aller passer mon classeur dans mon sage. Donc je vais le passer une fois comme ça et une fois dans l'autre sens. Je vous reprends après parce qu'il faut que j'aille dans une autre pièce. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, ça donne pas vraiment ce que je souhaitais. Alors, ce que je vais peut-être faire, je n'en sais rien. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Alors, comme ça ne me plaît pas trop, je vais passer un coup de brume d'eau. Bon, je suis allée chercher mes deux distress, la Vintage Photo et l'autre Speckled Egg.
On se retrouve quand c'est sec. Donc voilà, c'est sec. Alors, c'est pas sec partout. C'est pas sec là. Je retourne sécher. Voilà, c'est sec. Ça rend super bien. Ça rend super bien avec ces deux couleurs. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer délicatement l'encre noire sur, j'espère que je vais réussir. C'est un classeur d'embossage 3D. Je pense. Je ne sais pas si c'est marqué. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Par contre,
Par contre, là maintenant, on ne peut pas mettre de tamponnage. Je cherche ce que je peux mettre dessus, je vous retrouve après. Moi, je suis allée chercher mes tampons steampunk. Je vais mettre des pendules. Je vais mettre celle-là. Avec l'encre Versa fine. Le tampon, c'est avec mon partenariat. Je suis en train de chercher le bon sens. Oui, c'est avec mon partenariat Babycraft. Alors, voici pour une. Je vais mettre la montre à gousset. Ça ne me dérange pas que ce soit pas vraiment nickel. On va mettre la grosse au milieu. Alors, pareil. Donc, voici pour celui-là. Je vais mettre des chiffres. Alors, je vais mettre mes chiffres préférés, le 3.
le 5. Le 7. Et le dernier, le 8. Est-ce que je mets une main? Oui, comme ça, ça serait sympa. Ensuite, est-ce que je mets les flèches? Mais si je mets les flèches, non, je vais mettre des flèches, mais en tampon. Est-ce que je les ai là? Je les ai vus tout à l'heure. Elles sont là. Elles sont là. Alors, j'ai mis celle-là.
Voilà, le pompon c'est fini. Maintenant, je vais border avec du noir. C'est dommage, elle est mal. Ça c'est les engrenages, ça c'est ma clé. Voilà, c'est les... Je vais y aller. Elle est trop grosse, c'est dommage. Alors celle-là, je ne sais pas d'où ça provient. Parce que j'ai pas de dice de cette grandeur-là. Je vais aller découper les commandes. Je reprends, je vais aller découper les aiguilles. Je suis partie avant. Alors, je fais deux petites. Je vais faire deux petites parce que celle-là dépasse de trop. Donc, je retourne. Voilà. J'en ai profité pour aller chercher mon encre de Chine pour faire des taches. J'en mets, ça tombe des perles parce que j'ai déjà perdu des tampons.
Alors, je vais coller. J'ai perdu l'autre. C'est pas mal comme ça. En plus, on voit en dessous. On voit en dessous le tampon. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Donc maintenant, on va passer aux tachounettes. Alors, elles sont où les taches? Voilà, ma carte est terminée. J'aime beaucoup. Alors les deux couleurs, ça va super bien avec. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.